jeu, quoi. Ah, quoi tu joues, là? C'est quoi ton jeu, là? Ah, qu'est-ce que tu fous, là, Roger? Je croyais que tu dormais. Là. Mais non, franchement, ne dormais pas, là. T'entends parler du jeu depuis hier, là. C'est quoi ton jeu, là? On dirait un Dark Soul là, avec une gonzesse. C'est quoi? C'est un automate ou quoi, là? Bah, c'est... Ça s'appelle Steel Rising, et... Ouais, c'est un Dark Soul avec des automates. D'accord, intéressant, intéressant. C'est pas comme l'Eye of Pi, ça ressemble un peu à l'Eye of Pi à moitié. Ah bah non, c'est pas du tout comme l'Eye of Pi. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Putain, on dirait Ninja Gaiden à moitié, les attaques dans l'air, là. Bah alors là, tu vois, tu m'ôtes les mots de la bouche, mais carrément. Non, mais t'es pourri ou quoi? Il est dur, le gars, ou quoi là? Ouais, ouais, je le trouve assez dur. Je l'ai jamais battu, donc je connais pas ses attaques. Putain, il se casse et tout, quoi. Ben, dis donc, c'est un drôle d'ennemi, ça. Non, tu t'es fait poutrer. Ah, là, là, là. Franchement, t'es une brêle dans les sous-like. Hein. Franchement, tu devrais jouer à Warframe plutôt. T'es meilleur à Warframe, quoi. Oui, mais bon, on peut pas jouer à Warframe tout le temps. Je suis pas si nul que ça, et sous le like. Non, si, franchement, t'es mauvais, t'es vraiment mauvais, hein, te le dis. Hein, t'as pas du tout. T'es pas parti pour le Noid Run sur Elden Ring, hein, te le dis. Hein. Oui, bon, bah, je suis pas un super joueur de Dark Souls, mais. Je kiffe à fond ça, quoi. Je kiffe à fond, et puis voilà, quoi. Je fais ce que je veux. D'abord, j'ai fait une vidéo sur Warframe, mais. Voilà, Warframe, il faut qu'il bosse un peu, quoi. Faire des nouvelles maps, faire des nouveaux trucs, là, parce que là, on tourne en rond un peu, quoi. C'est bon, j'ai 15 000 heures de jeu sur Warframe. 15 000 heures de jeu, non, mais c'est n'importe quoi, ça, c'est plus... C'est normal que le jeu, tu le trouves répétitif, tu m'étonnes. 15 000 heures de jeu, c'est limite de la torture mentale à arriver à ce niveau-là. Bah, c'est, ouais, je suis un peu d'accord, ouais. Warframe, j'en peux plus, en matière, je connais trop les maps par cœur, y a plus aucune surprise. Ouais, je m'ennuie vraiment sur Warframe, donc voilà, ça fait du bien de découvrir des jeux comme Steel Rising, là, avec des gameplays un peu différents. Ça fait du bien, quoi. Hein, je trouve sympa, le jeu, franchement, il a un style, vraiment... Elle est élégante en plus, la nana, avec ses mouvements là, je la trouve magnifique, quoi. Ah bah voilà, tu vois, c'est bien ça, Roger, t'as du goût là pour une fois, tiens. Non, mais faut pas croire, hein, je suis pas qu'un gros beauf, hein. Je suis un mec super, voilà. Putain, ils ont l'air sans mêler les chiens là. Ouais, ils sont un peu casse-couilles, mais bon, ça va, ils sont gérables. Bah, tu connais les chiens dans ces jeux là, c'est un peu toujours la purge. Après, bon, c'est des ennemis quand même. Bon, ça change un peu le truc, quoi. Après, on va récupérer les âmes. Ah, tu peux récupérer les âmes, d'accord. Ouais, c'est un Dark Souls, quoi. Il n'y a pas, bon, c'est pas très original, quoi. Ah, bah, si, si, il a vraiment son truc à lui, quoi. Je trouve qu'il a son petit côté que. Voilà, tu vois, parce qu'il y a des Souls-like qui n'ont pas leur personnalité. Et celui-là, je trouve que vraiment, il a sa personnalité, quoi. Et. Hein, c'est ça, hein. C'est pas ta grosse théorie que dès qu'on n'a pas testé un jeu de soi-même, on sait pas s'il est bon ou pas, ou c'est pas quoi là. Bah oui, c'est ça que je te dis, quoi. Moi j'ai pas du tout aimé l'Eye of Pi, mais à Steel Rising, je le trouve super carton, quoi. Et après, il y a des gens qui ont aimé l'Eye of Pi et qui vont pas aimer Steel Rising, quoi. Ouais, c'est ce que je disais dans la. Du début, je disais ça dans la vidéo, tu vois. Hein, c'est ta grande théorie là, bon, bref. Toujours à jouer les intellectuels, toi, franchement. Putain, il fait des attaques de bâtard, à moitié. Pourquoi tu fais pas tes attaques en hauteur, là? Bah, ça marche pas terrible, là. J'ai essayé tout à l'heure, là. Je pense que l'esquive, après son gros coup... On va lui faire des attaques comme ça. Et voilà, esquiver au bon moment... Ah, t'es toute rousse, là, c'est quoi, ça? Bah, en fait, t'as une deuxième barre d'endurance, et si tu bouges trop, comme un automate, en fait, quoi. Si tu bouges trop, tu peux plus bouger du tout, quoi. Ah, d'accord, c'est pas con comme idée, ça.
Ça doit être chiant, par contre, en jeu, quand même. Face à un boss, ça doit être l'horreur à moitié, quoi. Oui, ça doit être l'horreur, mais c'est vachement bien équilibré. Le jeu est super bien équilibré. Donc voilà, c'est pas gênant. Ça arrive, quoi. Après, j'ai mis pas mal de points en endurance pour éviter justement ce mécanisme de la chauffe, là. Mais non, c'est pas mal du tout. Une fois que t'aimes bien le jeu, quoi. Bon, après, je peux repartir faire mes courgettes, là, parce que là, c'est que j'ai de la bouffe à faire. Oh, ça sent le traquenard. Ça, c'est pas bon, quoi. Il y a du loot comme ça. Ils vont te sortir un boss, là. Je sais pas. Bon, de toute façon, on est obligé d'y aller. À moins, il y a une fosse commune. C'est un peu là. C'est l'époque de la Révolution, tu vois. Alors, à l'époque de la Révolution, ça bastonnait dur en France, quoi. Ouais, je sais, c'est la grande histoire française, quoi. Mais, tu sais qu'on est vastement réputés, nous, les Français, grâce à la Révolution française. Hein. Oui, je sais, les Français sont un peu un modèle pour... Enfin, étaient un peu un modèle. Voilà, depuis qu'il y a Macron, on n'est plus trop un modèle, mais avant, on était un modèle un peu de rébellion et tout ça. Ça a changé, quoi. Après, voilà, on n'est plus trop des rebelles, maintenant. Voilà, bon, c'est... après, on va pas parler de ça, parce que je parle d'un problème, tu vois, parce que maintenant, ils foutent les prisons et les gens en prison quand tu parles mal des politicards et tout ça. C'est plus l'époque à Coluche, en fait, quoi. Enfin, ce qui lui est arrivé à Coluche, en même temps, c'est à se demander. Non, n'importe quoi, c'est quoi, Coluche, tu crois qu'on l'a... Bah, je sais pas, il y a plein de théories, quand même, qui disent que Coluche, il aurait été, zigouillé, quoi, parce qu'il... Avec quoi il a fait son truc où il voulait être à moitié président, là, bah, ça fait chier du monde, tu vois. Ouais, c'est une théorie du complot, ça, c'est délirant. Il aimait bien la moto, et puis c'est, voilà, il s'est viandé, tu vois. C'est pas fou, pas cher, c'est plus loin, tu vois. Après, tu peux toujours trouver des théories alambiquées, tu vois. Oui, je sais. Par contre, tu vois, les trucs du genre, on n'est pas allé sur la Lune et tout, là, je n'y crois pas, quoi. Ça, c'est un mob, c'est pas un boss en fait, c'est un mob le truc quoi. Putain, il fait mal hein. Vois ça, tu galères un peu. C'est marrant qu'il se barre comme ça là. Bah oui, mais c'est des automates alors. Je trouve l'intelligence artificielle est cool à moitié. Non, t'es encore reparti à dire à moitié tout le temps, mais sérieusement, arrête tes bugs de langage, là, t'es super lourd, hein. Oh, ça va, Roger, tu vas me saouler, là. J'essaie de faire bien, tu vois, la vidéo, c'est du bon gameplay, puis des trucs intéressants à dire, tu vois, c'est pas facile, quoi. Puis le jeu est, il est pas dur, mais il demande de la concentration, quoi. Ouais, c'est un Ninja Gaiden, quoi. Ah, c'est pas un Ninja Gaiden, parce que, voilà, il y a l'histoire de l'endurance. Dans Ninja Gaiden, t'as pas d'histoire d'endurance, tu vois. Après, c'est plus épileptique comme gameplay, Ninja Gaiden, quand même. Ah, pas mal. Franchement, tu t'es surpassé, là. Mais il se trouve que ma voix, elle a changé, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? T'arrives plus à faire ma voix? Mais non, mais c'est pas ça. C'est que, tu sais, je me suis fait opérer. On m'a enlevé 15 dents, là. Enfin, 15 bouts de chicot, là. Donc, voilà, j'ai pas la... T'sais, voilà, t'as changé de voix. Bon, bah, c'est comme ça, quoi. T'as un peu plus un cheveu sur la langue, et puis t'as une voix moins aiguë, quoi. J'arrivais pas autrement, tu vois, c'était compliqué, quoi. D'accord, on t'a enlevé 15 dents, quoi. Ça fait beaucoup, quand même, 15 dents. D'un coup, t'as enlevé 15 ans. Bah ouais, on m'a enlevé 15 dents, j'étais sous anesthésie, ça a duré 4 ou 5 heures, je crois. Et voilà, c'est pour ça qu'on m'a enlevé 15 dents. Donc, c'est des vieilles dents de, tu vois, des vieilles dents de... Donc quand je faisais la techno, tu vois, perdu pas mal de dents à cause de substances un peu nocives, on va dire. Voilà, que je ne conseille pas aux jeunes, hein, si vous voulez garder vos dents pour la quarantaine, les jeunes. Voilà, évitez les substances un peu trop acides, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois absolument ce que tu veux dire, ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. Bah ouais, bah, t'as bien raison de le dire, parce qu'on sent, on fait la fête, et puis arrivé à la quarantaine, on doit t'enlever 15 sicots, quoi, tu tires un peu la gueule, quoi. Oui, ça, oui, il y a ça, et puis plus le fait que, avant qu'on tire les sicots, là, j'ai eu des infections dans tous les dents, parce que comme elles étaient blettes, les dents, ça faisait des infections de partout, j'avais des douleurs horribles aux dents, je souffrais comme un chacal, quoi.
Non, c'était vraiment un cauchemar, cette histoire de dents, là. D'ailleurs, quand ils me les ont enlevées, ils ont dit qu'elles étaient toutes infectées, mes dents, quoi. Il était grand temps de faire ce, comment dire, de les enlever, parce que ça pouvait être dangereux, quoi. Après, ça peut descendre au cœur et tu peux faire, comment dire, pas une septicémie, je sais pas le terme, je veux pas dire septicémie, je crois que c'est ça, mais tu peux faire des infections de fou, quoi, à cause des dents, quoi. Ah, d'accord. Bah dis donc, je savais pas tout ça. Bah si, tu sais, directement t'es au courant, mais voilà, tu fais semblant de pas le savoir, quoi. Ah, je sais. Oh là, ils t'ont mis des fiances, ça c'était. Alors ça c'est vite là, franchement. Attends, là, franchement, je sens que tu bugs. C'est pas sympa le coup des chiens, là. Ils se font des dégâts entre eux, tiens. Regarde ça, il a tapé sur les chiens, ça. Vas-y, bute les chiens, mon gars, là. Non, à la burette. C'est quoi, la burette? Bah, c'est la fiole d'astuce, quoi. D'accord, bah dis donc, franchement, c'était salaud, quoi. Attends, on va se prendre une petite. Attends, on va lui balancer une fiole de glace, hein. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà, c'est gérance. Attends, je vais me prendre une flacon d'huile ordinaire. Bah, c'était bien comme combat, là, franchement. Un teaser, franchement, on sent que t'as la maîtrise du gameplay quand même, hein, franchement. C'est ton premier run, non, hein? Oui, c'est mon premier run. Bon, après, c'est pas mon premier Soul-like, donc je connais un peu les délires, mais je crois que. Attends, un Soul-like, parce que dans les Dark Souls, quand t'as des ennemis, tu sais ce qui t'attend, quoi. Là, c'était un peu la surprise, en fait. Le coup des chiens qui arrive pendant que tu combats l'autre, là. Je crois que c'est pas très Dark Soulien comme truc, quoi. Ah, bah, faut bien qu'ils fassent leur truc, tu vois, des différences. Ça peut pas non plus exactement un Dark Soul, quoi. Bah, ouais, c'est ça, quoi. Et c'est ça que je dis, que ce jeu-là, il est vraiment cool. Alors, fléau de feu. Alors, est-ce que c'est une nouvelle arme? Alors moi je veux bien le fléau de feu parce que alors j'ai pas trouvé d'arme j'ai pas trouvé d'arme qui me convenait à part la hallebarde, je la trouve super, mais alors les autres ça les armes c'est perso aussi. Alors faire l'attaque. Ah c'est un fouet. Ah j'aime bien les fouets. Je trouve les armes super originales dans le jeu quoi. Genre t'as le fouet comme ça là. Attends, j'ai présenté un peu les armes. Attends, on va se mettre à la lumière. Alors, vous avez le fouet comme ça, là. Hop. Ah, les mouvements sont bien. J'adore les animations du jeu, je trouve vraiment cool. Oh, petite attaque avec R1. Putain, elle sauve vite quand même, hein. Oui, bah, oui, elle chauffe vite, mais bon, que me tue, quoi. Après, tiens, je vais montrer les autres armes. Alors, t'as l'espèce de. Je trouve que les armes ressemblent un peu aux armes de Warframe. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils ont pris des références avec des armes de Warframe. Genre, cette arme-là, ça ressemble au comment tu vois l'arme, le Cassius ou le Gunsen Prime. Ah, carrément, on dirait le Gunsen. On dirait le Gunsen à fond. Bah ouais, tu vois, ça ressemble vachement au Gunsen, quoi. Ils ont fait des armes super originales. Après, voilà, Warframe, ils ont fait tellement de millions d'armes que, voilà. Quand tu fais des armes, ça peut ressembler un peu, mais je trouve que ça a été un peu influencé de Warframe, alors je sais pas pourquoi. Putain, elle est pas mal cette arme-là, pourquoi tu joues pas avec? Bah, elle manque de puissance encore. Voilà, je fais plus de dégâts avec la hallebarde. Donc, ça, c'était le Sephiroth ou je sais pas quoi là. Alors, ça, c'est l'épée. Ouais, une épée un peu fouet aussi. Ah, tiens, elle est cool celle-là aussi, tiens. Enfin, peut-être tu mets. Ah, franchement, elles sont bien les armes. Bon, les autres armes alors? Alors, t'as les serres de Némésis. Et le dernier, c'est un flingue, je crois. Voilà, t'as un flingue comme ça. Alors, les serres de Némésis, c'est un peu des griffes, un peu comme les Vanquka Prime, tu vois, dans Warframe. Mais oui, carrément, mais c'est carrément ça. C'est du. Oh la vache, le coup de. Oh, c'est super beau. Oh, franchement, les animations sont carton de fou, quoi. Ouais, je trouve qu'ils ont fait un boulot sur les animations. C'est le plus gros du boulot à faire dans les jeux, hein, les animations. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais les animations, c'est une grosse partie du boulot, quoi. Faut que ça puisse rentrer dans les décors, faut que ça soit adapté
Ben dis donc, franchement, elles sont carton les armes. De fou à métier. Et alors, c'est quoi le flingue? Alors, le flingue, c'est un gros flingue, une espèce de fusil à pompe. Tu charges comme ça et ça tire pas très loin, mais ça fait des... et ça gèle les ennemis, ça gèle les ennemis. Et le truc, c'est de tirer avec le flingue et après de taper, changer d'arme, et après t'enchaînes les ennemis comme ça. Enfin, il y a moyen de faire des builds, voilà. C'est le genre de jeu où tu vois, tu peux faire le jeu dans plein de styles différents, suivant l'arme que tu utilises. Donc là, moi, je vais prendre mon arme, ma chouchoute, la hallebarde de Gribovol. Voilà, et on va prendre... Prends les serres Némésis, hein. C'était cool, c'est là. Bon, à prendre les serres Némésis, mais je te dis, regarde, dégâts 44, c'est... Voilà, bon, après, je vais regarder si j'ai pas des nouvelles bottes. Par contre, le système d'armure, tu vois, c'est... un peu, pas des armures comme dans Dark Souls, avec des stats et un poids différent, c'est plutôt des armures, genre, avec plus de défense, quoi. D'accord, un style plus RPG, quoi. C'est plus RPG que dans Dark Souls, où il y a le poids et puis les fonctions de l'armure, quoi. C'est pas pareil, quoi. Non, non, c'est pas pareil que dans les Dark Souls. Ça, c'est encore un point qui change des Dark Souls. Bon, j'y ai Dark Souls parce que c'est la référence ultime en matière de Soul-like, quand même. Ben oui, forcément, les Dark Souls, c'est la référence, forcément. C'est les premiers, donc c'est la référence, mais... Mais prends l'autre arme et montre-nous un peu comment tu te bagues l'autre arme là. On a compris la hallebarde qu'elle cartonnait, mais. Ouais, franchement, elle est carton l'arme, t'es fou, comment elle est rapide. Oui, oui, elle est rapide, mais j'ai l'habitude avec la hallebarde, elle charge bien et puis elle a une bonne distance. D'habitude, dans les Dark Souls, je joue jamais avec les hallebardes. Et là, je la trouve super cool. Putain, mais ils sont énormes les niveaux en fait. Ah, arrête, tu vois, t'as encore dit en fait. Ouais, mais c'est bon, ça va, t'es chiant, putain, je fais comme je peux, moi. Putain, il t'a balancé une grenade, là. Ah, ouais, bah, attends, il faut que je me concentre, là, parce que c'est quoi l'ennemi, là? Putain, attends, on va essayer de l'attaquer. Hein. Il y en a partout, là, cible pas celui-là. Oh là, mais c'est quoi cet ennemi, là? Attends, on va prendre une petite... Oulolo, mais il est vénère celui-là! Bon, je sens que tu te concentres. Oui, bah oui, je me concentre. On va laisser l'autre taper l'autre, ça c'est cool ça. Oh, je sais pas s'il faudrait pas que je revienne en arrière, hein, parce que là je le sens pas du tout. Bon, tu sais quoi, on va essayer de débloquer un raccourci ou je sais pas, mais là je le sens pas du tout. J'ai plus de buvette. Et ils te suivent. Ah, je sais, ils me suivent, mais y a pas un petit raccourci à débloquer là pour arriver là, parce que... Non, mais il doit être après le raccourci, là. Tu devais passer ces deux-là et puis après taper le raccourci, tu vois. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc tu vas au boulot, tu te mets un peu de pilule de santé, là, et puis... Puis voilà, tu vois, prends ta hallebarde. Ouais, t'as raison. On va pas faire le couard. Bon, après, moi, je suis un joueur de Soul-like assez couard, quand même. Quand même j'aime bien, tu vois, pas prendre de risque. En plus, j'ai de quoi monter un niveau, tu vois. Alors, si je meurs, tu vois, c'est... ouais, un Soul-like, quoi. Un truc qui prend la tête, quoi. Il n'y avait pas une option au début, là, où tu pouvais garder tes âmes si tu mourais? Oui, il y a ça comme option, mais... j'ai pas activé quoi parce que ça change vraiment le style du Dark Souls quoi, un Dark Souls où tu peux... Oh la vache! C'est l'autre qu'il faut que je cible. C'est bon, on l'a eu. On va se reprendre une petite fiole de soin là. Saute! Oh, c'est chaud. Ah non, ma chérie, là. Ah, merde. Non, bébé, tu vas me faire mourir. Ah, tu peux pas lui raccrocher au nez comme ça. Oui, bon, bah, ça va, je rappellerai dans tout à l'heure, quoi. T'es marrant, toi. Bon, faut que je trouve le raccourci, là, parce que celui-là, il me...
Ah, t'es vraiment flippos, hein, franchement, t'es un peu de glaoui, monsieur Triclot, là, quand même. Oui, bon, bah, je t'ai dit que j'étais un couard dans les Dark Souls, j'aime pas perdre, j'ai horreur de perdre mes âmes, ça me saoule à moitié. Tiens, celui-là, c'est un pas dur, celui-là, on va le... Il va le tuer, l'autre. Alors, on va faire comme ça. Allez, défonce-le. Ah, si, t'as vu, ils se tapent entre eux, ça, c'est cool, ça. Putain, elle est super speed quand même, hein. Ah ouais, elle est super speed. Oh là là, là là, là là. Ah, il est costaud, le gars. Voilà, super, voilà. Putain, franchement, c'est magnifique, les décors, quoi. Je sais pas qui a fait le jeu. C'est des Français qui ont fait le jeu. Ouais, c'est une équipe de développeurs français. Alors, putain, on dirait vraiment un jeu japonais ou tu vois, le jeu pas du tout Frenzy, quoi. D'habitude, les Frenzy, tu vois, ça, quand même, c'est des suiveurs un peu, tu vois, c'est pas. Ouais, bah là, franchement, les mecs, ils ont fait un boulot de fou, quoi. C'est ça que je trouve impressionnant, quoi. C'est que je suis vraiment fier de que ça soit des Frenzy, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux français où d'habitude, tu vois, c'est plutôt genre les Haribo et des trucs comme ça, là, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est le jeu pour les gosses, là, Caribou. Enfin bref, les développeurs français sont pas connus pour être des méga stars, quoi. Non, ben, ça c'est. Mais enfin bon, là, franchement, ça, c'est du top niveau, la moitié, quoi. Ah bah oui, là, c'est du top niveau de. Tiens, je peux peut-être essayer de monter là, tiens. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être... Ah! Ça, c'est bon, ça. Mais j'aurais pas pensé à monter là-dessus, hein. Bah non, t'aurais pas pensé... Ah, alors, des nouveaux fringues. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, 15 en défense. Bon, bah, tout de suite, t'as vu, c'est un système comme ça, quoi. C'est un peu comme les Assassin's Creed, là, tu vois. Je sais plus lequel, Assassin's Creed. Enfin, j'ai horreur d'Assassin's Creed, mais ils avaient ce système-là, là. Ouais, je sais, t'avais essayé Assassin's Creed, là, qui se passe en Arabie ou je sais plus où, là. T'avais pas aimé du tout. Tiens, essaye de remonter par là. Oula. Ah bah si, c'est faisable, franchement. Voilà, t'as trouvé ton raccourci, en fait. D'accord, bah elle peut sauter de haut, cette dame-là, franchement. Elle est super habile, hein. Oui, elle est super habile, mais bon... Alors, c'était ça le raccourci? Je sais, il est grand le niveau, quoi. Non, c'est parce que tu connais rien aux œufs, quoi, comme d'habitude, quoi. Oh, mais non, mais c'est le début, tu vois, le début. Alors, je découvre le niveau, je connais pas tout, quoi. Alors, musique angoissante, il y a un ennemi dans le coin. Oui, il tire de loin, le gars, là. Bon, les gens ont pas l'air d'apprécier les machines du tout. Par contre, moi, j'aurais bien voulu récupérer de la burette, là, parce que... Y a pas un petit point de... Tiens, ils m'ont donné des flacons d'huile. Ça, c'est un signe, ça. Tiens, on va en prendre un. Non, c'est de là où on vient... Je peux pas passer par-dessus, non. Ben, dis donc, t'es à fond dans ton jeu, hein, franchement. Oui, je te dis, je kiffe le jeu de fou, quoi. J'adore les Soul-like et celui-là, enfin, pas tous les Soul-like, mais celui-là, franchement, je le trouve carton de chez carton, quoi. T'as dit, t'en foutis des siens encore. Ah, les salauds. Putain, sauve vite quand tu fais les attaques en hauteur. J'ai remarqué ça. Ah, je vois que tu temporises, mais c'est bien, Triclo, c'est bien. Tu joues pas comme une brêle. Oh là, le message en plein milieu du truc, ça, c'est pas très malin, ça, par contre. Non, pas mal. Non, franchement, je vois que t'as le truc.
Bon, ils sont où les feux de camp dans ce bordel? Y en a pas ou quoi là? Bah si, mais c'est ça que je cherche, je te dis. Je cherche le feu de camp là, mais je vois pas où il est quoi. Je sais pas si je suis revenu au début du niveau, tu vois. J'ai l'impression que je suis revenu au début du niveau, mais je reconnais pas bien les trucs quoi. Oh là là, là là, y a des ennemis partout. Faut que je trouve le raccourci, tu vois. Ah ouais, bah fouille, hein, fouille. Encore des toutous, tiens. Ah, elles sont trop classe, ces attaques dans l'air, là. Allez, tue le chien, toi. Allez, tue le chien. Ben, franchement, t'es serré, là. Tiens, c'est peut-être là, le raccourci, il y a plein de lumière, là. Tiens, regarde. Voilà. Voilà, super. Et voilà, t'as ton truc, c'est ça le feu de camp, là, la grosse case. Oui, bah, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors. Voilà, c'est bon. Je savais qu'il fallait faire ça. Ouais, vachement, tu savais, vachement. Ouais. Ouais, alors ça, c'est comme les Dark Souls, quoi. T'as tes trucs de... Ah, t'as mis tout en puissance, rien en élémentaire. Ah, les défenses élémentaires, c'est... il faudrait peut-être mettre un point ou deux, parce que là... Alors ça, c'est... Quand tu fais la première fois un Soul-like, c'est toujours... voilà. Ce jouet élémentaire, ça paraît pas évident au premier abord, et puis après, tu peux tomber sur une arme élémentaire de fou, et puis... Et puis les défenses, quoi. Les défenses, c'est élémentaire, résistance feu, glace wood, là. Ouais, d'accord. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... T'aurais dû mettre robustesse. Oui, bon, bah, robustesse, ça augmente l'équilibre, la vie... Ça augmente le multiplicateur critique et l'endurance. Ouais, je vais mettre en endurance parce que c'est trop relou que elle chauffe là. Quand elle surchauffe, c'est l'angoisse en fait, quoi. Va ça. Bon, bah maintenant t'as débloqué le raccourci, mais il y a plein de trucs à fouiller. Le niveau, il était vastement grand. Hein, bah, tiens, ça faisait une grande zone, quoi. Oui. Mais je te dis, je vais pas le dire 10 000 fois, mais le jeu est vraiment bien, quoi. Dès le début, j'avais capté que ça allait être un grand jeu, et je me suis pas trompé, quoi. Le jeu, il est super cool. Après, j'ai 4 burettes, maintenant. Alors, si je pourrais même m'expliquer pourquoi. J'en avais que 3, normalement. Ah, là, tu vois, j'ai fait un critique, là, parce que j'ai tué tous les deux. Et j'ai été voir sur Internet, il n'y a pas de wiki pour le jeu, quoi. Il n'y a pas de wiki. D'habitude, tu as toujours un wiki anglais, et puis pour savoir qu'est-ce que ça fait, les stats et tout, et j'ai pas trouvé, quoi. Sur Dark Souls, il y a des wikis. Sur tous les Souls-là, il y a des wikis, normalement. Bah oui, mais je sais pas, celui-là, il a sa petite communauté, quoi. Il y en a qui a deux. Voilà, c'est comme tout n'importe quel jeu, quoi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et celui-là, il n'a pas son wiki, quoi. Alors... pour trouver des informations, c'est pas évident, quoi. Et puis, voilà, il y a des trucs... faut tester, en fait, quoi. Faut tester, et puis... voir les différences que ça fait quand tu mets un point en plus, tu vois. Ah, c'est du boulot de dingue. Franchement, ils ont du courage, les gens qui font les wikis. C'est des bons gars, ça. Oh là là, la grosse attaque que tu as fait. Ouais, c'était une attaque critique dans le dos, là. C'est un peu... Putain, il y en a deux, putain. Mais sérieux, l'angoisse. Bah dis donc, t'as le skill, hein. Pas trop, mais... Oh, bah c'est skill que dalle, ouais. Je me suis fait... Ah, zut alors. Je vais aller récupérer mes manes, et puis... bon, on va couper la vidéo, parce que de toute façon, c'est un bon jeu, mais faut que je me concentre, là. C'est trop dur de jouer au jeu en discutant, je trouve. Ouais, tu vois ça, c'est un peu... Tu galères un peu, quoi. C'est bien en même temps, puis c'est vrai que ça fait du bien de voir autre chose que Warframe. De toute façon, t'as vu ce qu'elle a dit Rebecca? Comment ça, ce qu'elle a dit Rebecca? Bah, tu l'as pas vu Rebecca, elle était en train de dire
un truc sur, tu vois, l'E3, un truc sur les gamers, un comment on appelle ça là, un rassemblement de The joueurs et de gens qui créent des jeux vidéo, quoi. Et on lui a dit, alors Rebecca, ce qui paraît, vous avez 35 millions de joueurs qui jouent à Warframe. Et Rebecca, elle a dit, oui, on a 35 millions de losers qui jouent à Warframe. Et elle s'est rattrapée, elle a dit, non, pas losers, players, qu'elle a dit comme ça. Alors ça fait vraiment nul, franchement. C'est pas terrible pour les joueurs de Warframe, quoi. Ah ouais, elle a carrément dit ça, elle a dit loser à la place de player. Eh ben, elle a dit ça, loser à la place de player. Je te dis pas la pub de fou, quoi. Ah, tu vas perdre tes âmes, là, si tu continues comme ça, là. Attends, il me faut une burette. Ah, mais non, j'ai toujours trois burettes, c'est... Putain, il fait mal, ce con. J'ai dit, il faut pas que je fasse de vidéo en même temps que je découvre le jeu parce que c'est trop dur en fait. Ouais, bah ça, t'as un peu du mal. C'est bizarre, tu joues vachement avec R2, d'habitude les Dark Souls ça se joue plutôt avec R1. Oui, mais cette arme-là, elle est, l'attaque chargée, elle est super cool avec R2, elle est... Et franchement, elle est géniale, la moitié de l'attaque chargée. C'est pas du tout comme la Dark Souls au niveau du... Voilà, dans Dark Souls, tu joues beaucoup avec R1 pour faire des attaques légères et voilà, gérer mieux l'endurance et tout. Et tu fais une grosse attaque quand t'es, voilà, t'es tranquille, mais c'est pas pareil là dans ce jeu-là, quoi. D'accord. C'est bien qu'il y ait des différences, qu'il y ait sa personnalité, le jeu. Oh là, franchement, ça, c'est pas cool de mettre des techs n'importe où. Alors, t'as récupéré tes âmes. De toute façon, t'en avais que 303, donc c'est pas non plus la folie, quoi. Bon, on va te... Comment j'allais dire? Tiens, je me mélange les pinceaux, tu vois, Roger, là, c'est pas facile. Hein, basta, tu galères un peu aujourd'hui, hein. C'est pas qu'est-ce qui t'arrive, mais franchement... Oui, je te dis, c'est depuis qu'on m'a changé les dents, là, je te dis, un peu... voilà, ça change tout. Tu perds mes repères, ça a pas le même son. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? De voir, t'es perturbé, quoi. Ah, la pauvre petite fille, pauvre petite fille, là. Et ton jeu à moitié de pervers, là, Senran Kagura, là. Oui, bah, je vais faire une vidéo dessus, mais, voilà, il fait vraiment pervers pépère, le jeu, hein, ça, c'est clair. Les mecs, ils ont poussé le niveau, Bon, bah, enfin, bref. Donc, on vous fait des bisous, c'était Steel Rising. Moi, je surkiffe le jeu. Bon, Roger, il connaît pas trop bien le jeu. Mais si, il est bien, ce se trouve génial, franchement. Elle est trop classe, la nana, quoi. Elle est mignonne comme tout. Franchement, c'est un bon jeu. J'ai l'œil aussi, hein. Tu ne veux pas me prendre pour un débile, hein, monsieur Triclot. Hein. Tu vois bien que tu tripes dessus. Si tu tripes dessus, c'est qu'il n'est pas nul, forcément. Quoi, de dire, voilà, c'est la base, quoi. Oui, non, c'est exactement ça. Je tripe dessus, quoi. Donc c'était Steel Rising, et voilà, méga gros jeu, on vous fait des bisous, amusez-vous bien, passez une bonne journée, et voilà, on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Ah, c'est ça les gars, tout le monde de la scène, à la prochaine, salut.